Test a radio tour, test radio tour before stage 8 of the Tour de France between Dole and Lausanne in Switzerland. Yeah, boys, we'll just do a radio check, please. 1-2, 1-2, 1-2, radio check. Thank you. Can you strike today? I think it depends how big the breakaway is. For sure, there is some teams that will attack to try and form a nice, strong, big breakaway group. I think my day will come. Le départ réel donné à 13h19. 13h19 de cette 8e étape. Dole, Lausanne, 186 km, un tracé pour baroudeur. La bataille pour prendre l'échappée va être rude aujourd'hui, dès le kilomètre zéro. Trois hommes parviennent à sortir rapidement, Cataneo, Fred Wright ou encore Frédéric Frison. La course est intense car beaucoup de coureurs veulent être à l'avant et dans le peloton, la sanction tombe. Une grosse chute à l'arrière du peloton. Ça roule vite hein, depuis le départ. David Godu. Ah, et David Godu touché également. C'est pas Bardet qui est tombé. Mais à droite de la route. Vermarque pris dans la chute, mais qui est toujours à terre. Laissez la voie libre pour les services médicaux, s'il vous plaît, merci. Marker DSM forced to quit the race after his crash. Outre l'abandon de Vermarque pour la DSM, quelques coureurs vont être marqués par cette chute. Romain Bardet, Ben O'Connor, encore lui, Maximilian Schartmann ou encore Roglic qui sont impliqués donc dans cette chute. Les hommes de tête, eux, ont pris 3 minutes d'avance, mais cette échappée semble peu à l'aise pour aller au bout avec un seul bon grappeur Cataneo, un sprinter Wright ou encore un rouleur Frison. Derrière, on attend peut-être les premières pentes pour tenter une contre-attaque et rejoindre les hommes de tête. À 140 km de l'arrivée, le sprint intermédiaire de Montrond est l'occasion pour les protagonistes de la course au maillot vert de prendre quelques points après le passage des hommes de tête. Et c'est lancé. Wout van Aert pour aller chercher la quatrième place et Laporte qui ne coupe pas son effort. C'est bien Philipsen hein, qui est passé en tête devant Wout van Aert au sprint intermédiaire. Derrière, la poursuite s'enclenche enfin. Plusieurs équipes se relaient en tête de peloton avec notamment les Bike Exchange de Michael Matthews. L'écart descend sous les 2 minutes alors qu'il reste 100 km de course. 8 minutes 15, 1 minute 15. Ces trois hommes de tête quittent la France et le Jura pour passer à l'instant en Suisse. Le peloton joue au chat à la souris avec l'échappée depuis près de 80 km pour ne pas reprendre le trio de tête trop tôt. L'écart se rapproche de la minute. Cataneo décide qu'il est temps de relancer l'allure d'ailleurs. Cette accélération aura raison de Frédéric Frison quelques kilomètres plus loin alors que la route s'élève à nouveau. Avec un ralentissement. Thibaut Pinot qui est tombé. Ouais, je crois que c'est Thibaut. Ouais. Thibaut ouais. Pinot qui malheureusement part au sol. Ah, il a pris quelque chose. Il a attrapé la musette. Et la musette. Aïe. Et Thibaut Pinot qui vient percuter là le poing de l'assistant de la Trek. Fred Wright se retrouve seul en tête dans Lausanne. Les 5 derniers kilomètres et la montée finale approchent. La bagarre entre puncheurs va avoir lieu avec en arbitre quelques favoris du tour. Chirel qui insiste. Et c'est Pogacar en personne hein, qui... est en deuxième position. Attention, où est le maillot vert? Il est là. Il est facile. Il est bien, Van Aert. Fred Wright est repris, plus d'échappée. On va avoir une échappée, un final plutôt d'étape entre costaud, entre leader du général et entre sprinter puncher. La pente est beaucoup moins sévère dans les 300 derniers mètres. Rafał Majka qui va s'écarter au tout dernier moment. On est à 500 mètres de l'arrivée. Et on a encore un peloton d'une trentaine de coureurs pour la victoire ici, un peu moins, 25 coureurs environ. De Guillaume Martin peut-être, il se prépare. Il est là Guillaume Martin sur la droite, le long des barrières, bien abrité. Toujours à Rafał Majka. Ça va faire un sprint, c'est trop tard pour attaquer. À 400 mètres de l'arrivée.
Et là, la 30 s'adoucit maintenant pour les 400 derniers mètres. Avec Alexandre Vlasov, Nairo Quintana, pour l'instant personne ne prend l'initiative. On se joue entre Van Aert et Matthews peut-être. On retarde jusqu'au dernier moment, l'instant où on va lancer le sprint. C'est Guillaume Martin qui le lance. Allez, Guillaume Martin aux avant-postes. Bob Jungels avec dans la roue Matthews. Bob Jungels en est, le Luxembourgeois Michael Matthews. Tadej Pogacar, c'est parti avec Michael Matthews qui se détache en force. Michael Matthews, Tadej Pogacar, Wout Van Aert qui remonte le maillot vert. Wout Van Aert qui revient à la hauteur de Michael Matthews. Wout Van Aert, surpuissant, qui s'impose ici à Lausanne. Devant Michael Matthews, encore deuxième et la troisième place pour le maillot jaune Tadej Pogacar. What a victory. I mean, you win ahead of Michael Matthews, Tadej Pogacar. Can you tell us, take us through those final moments? It was a pretty tough climb. It's at like 4.5k, 4%, but with the flat part in between, everything that was going uphill was really steep. So I had to fight to stay in the wheel of Pogacar and his teammates. But I knew if I could stay in the wheel, the sprint was a bit flatter. So I was waiting for that moment. For the sprint, maybe I hesitated a bit, and Van Aert passed me with triple speed. So for sure it's a little bit disappointment, but third place is still great. Wout Van Aert double la mise sur ce Tour de France, et sur les trois derniers tours d'ailleurs, le Belge a remporté au moins deux étapes. Il devance aujourd'hui Matthews et Pogacar. Au général, encore quelques secondes de bonification à l'arrivée prise par le Slovène sur le reste de ses adversaires. Vingegaard est à 39 secondes, Thomas à 1,14. Le classement maillot vert est clairement décanté avec 61 points empochés par Wout Van Aert aujourd'hui. Magnus Cort Nielsen est toujours le meilleur grimpeur malgré la troisième place à l'arrivée aujourd'hui de Tadej Pogacar qui n'a pas pris de points. Le Slovène en revanche est bien maillot blanc de meilleur jeune, le podium ne bouge pas. Enfin, au classement par équipe, Ineos domine toujours Jumbo-Visma pour 26 secondes. Demain, avant la journée de repos, la haute montagne se dresse avec un petit échauffement pour les purs grimpeurs vers Châtel, les Portes du Soleil, avec au menu deux cols de première catégorie à avaler, dont la montée finale vers le Pas de Montgy et ses 15 km à plus de 6%.